Calpestio di vetri rotti, odore di bruciato e la consapevolezza di una storia che si ripete. Per 5 giorni oltre 500 città francesi si sono risvegliate tra negozi saccheggiati, veicoli carbonizzati e l'andirivieni di chi cercava di tenere insieme i pezzi di un paese ferito. La rivolta della Francia delle periferie si è spinta nei centri città e si è accanita contro i simboli dello Stato. Gli scontri si sono fermati solo dopo l'impiego di 45.000 agenti. Quasi 4.000 persone sono state fermate, l'età media 17 anni. Per il governo è mancata l'autorità dei genitori. On a de la rage, on casse tout. C'est une manière d'exprimer. Tu sais, c'est les jeunes, ils ont le froid à la mort, ils veulent faire comprendre à l'État et à tout le monde qu'ils sont pas là pour rigoler. Oh, on va tout niquer ce soir. Voilà, ils ont tout dit. Vivo a Lione da 22 anni. Sono italiana e mi sono sempre considerata una sorta di osservatrice esterna in Francia. Appena trasferita ho percepito una tensione sociale latente e gli scontri del 2005 non mi hanno stupita. Come corrispondente internazionale ho cercato di capire le ragioni intrinseche di questa rabbia. Mi sono subito resa conto di quanto il problema sia radicato e complesso. Questi ultimi scontri mi hanno portato a cercare risposte dove la maggior parte della classe media francese probabilmente non andrà mai: le periferie disagiate o banlieue. Là actuellement on est à Boulevard Lénine, donc c'est l'un des quartiers on va dire des maguettes, donc à Vénissieux. Et c'est un quartier qui est délaissé quoi. C'est un quartier qui est délaissé et qu'on a amené à vivre de nous-mêmes. Le Manguettes è uno dei 1500 quartieri ad alta priorità della Francia, le famose banlieue. Robbie e John mi fanno da cicerone. Qui da sola non riuscirei a entrare. Circa 5 milioni e mezzo di persone vivono in aree come questa in Francia. Molti dei residenti sono immigrati o francesi di terza o quarta generazione. La povertà è 3 volte più alta che nel resto del paese e la disoccupazione dilaga, soprattutto tra i giovani. On ne vit pas des mêmes moyens et on ne part pas, disons, avec les mêmes chances. Forcément, c'est un quartier, donc il y a pas mal de soucis, on va dire, avec les forces de l'ordre. C'est les besoins primaires qui malheureusement, attirent, appâtent une partie de la population vers la déviance et ensuite vers la criminalité. Le Manguettes è un enorme mercato a cielo aperto di stupefacenti di ogni tipo. Persino i muri sembrano pannelli giganti per pubblicizzare la merce. Nelle banlieue la criminalità legata alla droga è più alta della media nazionale e ha portato insicurezza per tutti. Il rapporto tra i residenti e la polizia è da tempo un problema. Je me fais contrôler pratiquement 3 ou 4 fois par journée. On leur dit « Prochain motif, ta gueule, mets-toi contre le mur. » Ils savent pas parler, ils savent que frapper, gazer. Moi, j'ai peur des fois de rentrer chez moi. Je regarde des fois derrière, dans mes escaliers, des fois, pour voir s'ils sont pas là, la police. S'ils attrapent quelqu'un dans l'allée, c'est cuit pour lui, c'est fini. Ça va tous les jours. On va jamais s'arrêter parce qu'on va jamais se faire entendre. Le madri che ho incontrato chiedono un dialogo con la polizia. I loro metodi, dicono, non sono di aiuto in un contesto così vulnerabile. Je suis seul avec 2 enfants. Tous les jours, oui, c'est un combat pour justement l'éducation de nos enfants, pour justement qu'ils s'en sortent. Mais voilà, c'est pas toujours gagné, malheureusement. On est dans un quartier sensible. On n'est pas à l'abri. On a peur. On a peur de ce qui se passe autour. On a peur de la police. Ils nous mettent eux-mêmes dans une insécurité quand ils viennent à nous gazer comme ça, gratuitement, dans le jardin des enfants. Il n'y a aucun dialogue. C'est un rapport de force. L'elenco delle presunte vittime di violenza da parte della polizia è sempre più lungo. La piazza chiede giustizia. In seguito alla morte di Nahel, l'ONU ha chiesto alla Francia di affrontare le profonde problematiche di razzismo e discriminazione nelle forze dell'ordine.
Gli osservatori per i diritti umani in Francia hanno constatato che i giovani neri o di presunta origine nordafricana hanno 20 volte più probabilità di essere fermati dalla polizia rispetto al resto della popolazione. I sindacati della polizia e il governo negano sistematicamente le accuse di razzismo generalizzato. Nous, nous contrôlons des individus qui commettent une infraction. Il y a des cadres qui sont spécifiques au niveau du contrôle d'identité, ils sont respectés. Vous dire qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas eu de cas discriminatoire dans la police nationale, non, il y en a déjà eu. Ce sont des individus vraiment à la marge et qui sont sanctionnés dès que les faits sont constatés. Il portavoce del sindacato Unité à Lione ha ammesso che il sistema delle falle. On manque de moyens. Le premier, c'est les moyens humains. On est vraiment en manque d'effectifs. Et après, on manque forcément de formation continue. Et mes collègues ont parfois du mal à employer des méthodes puisqu'on manque de formation. Et ça, on le dit régulièrement. Vous savez, pareil au niveau du tir. Quand on tire trois fois dans l'année sur des cibles en carton qui ne bougent pas, c'est difficile après de l'appliquer sur la voie publique. La polizia francese ha subito profondi cambiamenti dal 2003, quando Nicolas Sarkozy, allora ministro dell'interno, abolì la cosiddetta polizia di prossimità, vicina alla popolazione e forte nella prevenzione. La sua idea era di avere una polizia più forte e minacciosa. Dopo gli scontri del 2005, appena eletto presidente, Sarkozy ha finito per dare più margine di manovra alle forze dell'ordine. Per capire l'impatto di queste riforme ho incontrato il fondatore di un'organizzazione contro le violenze della polizia. Secondo Ian, oggi la polizia francese è tra le più violente d'Europa. C'è una delle polizie le più armate in Europa. Le balle de gomme, ce qu'on appelle les LBD en France, ou les flashballs, les grenades de désencerclement ou les grenades avec la TNT sont utilisées quasiment uniquement en France. Donc oui, la violence est structurellement plus forte en France. Il y a des enquêtes parlementaires sur la question du maintien de l'ordre, des violences policières, etc. Ça se retourne systématiquement contre les personnes qui se révoltent. Secondo il giornale indipendente legato all'associazione di Ian, 44 persone sono state uccise dalla polizia tra il 2021 e il 2022. Ça va toujours sur plus de violence et plus de moyens pour les forces de l'ordre et plus d'impunité pour les forces de l'ordre avec l'adoption de nouvelles lois qui garantissent une protection fonctionnelle aux policiers qui commettent des violences. Les bâtards. Wesh. Mais ça se fait pas. Mais cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. La polizia è diventata più violenta? E se sì, perché? Molti sottolineano che le sfide per i poliziotti nelle aree ad alta criminalità stanno crescendo e con queste anche la pressione sugli agenti. Maintenant, de nos jours, en 2023, on ne peut pas s'arrêter dans les quartiers et discuter. C'est trop compliqué. On se fait forcément attaquer. Il y a les pompiers aussi qui sont prêts à partir. Il y a tout un tas d'autres acteurs. Il y a des médecins qui sont prêts à partir. Parce que c'est de la défiance envers le gouvernement. In Francia, tra il 2012 e il 2020, 36 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi in servizio. Ogni anno si registrano almeno 5.000 feriti. Inoltre, il numero di suicidi tra i poliziotti è in aumento, 46 l'anno scorso. On est assez usé, fatigué et pas forcément très motivé, mais mes collègues font leur travail. On se dit, est-ce qu'on va réussir à inverser des problématiques qui perdurent depuis des années, puisqu'on est passé de gouvernement en gouvernement où on n'a pas apporté des réponses. Et on est arrivé à un point où je me demande si on peut revenir en arrière, très sincèrement. Dobbiamo fare un salto indietro agli anni 60 per capire da dove arriva il malcontento nelle banlieue. In quegli anni la Francia aveva deciso di fornire moderni alloggi sociali a una classe operaia in crescita, che viveva ancora nelle baraccopoli. Ma le banlieue si trasformarono rapidamente in ghetti per immigrati, vere e proprie polveriere sociali. La maggior parte dei residenti proveniva dalle ex colonie francesi nordafricane, utili alla Francia come forza lavoro. Gli scontri nelle banlieue iniziarono alla fine degli anni 70, in parallelo partirono le politiche di sviluppo urbano. L'obiettivo era ridurre il divario con le altre parti del paese. Le prime torri vennero abbattute negli anni 80. Erano diventate simbolo di esclusione sociale e un fallimento politico. Ici là exactement, c'est on peut dire les ruines des anciennes tours qu'il y avait, parce qu'il faut savoir qu'ici il y avait environ en tout, sur tout l'espace, il y avait
9 tours de 15 étages et 2 grandes barres. Ils ont commencé à faire pas mal de rénovations au niveau du quartier. Ils ont fait pas mal d'appartements, de nouveaux appartements, qui donnent du coup un côté extérieur du quartier, comme si c'était assez rénové. Mais il y a encore ce petit côté quartier qui est à l'intérieur de cette rénovation. Negli ultimi 20 anni il governo ha investito oltre 75 miliardi di euro per ristrutturare alloggi sociali, costruire nuove case e migliorare le infrastrutture nelle banlieue. Eppure i residenti continuano a lamentarsi delle pessime condizioni di vita. Sono entrate in una torre di 15 piani alle Manguettes di Vénissieux per capire. Voilà. Là, les deux ascenseurs ne fonctionnent pas. Ça fait depuis un bon petit moment. Malgré qu'on appelle tout ce qui est dépannage ascenseur, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc les habitants sont obligés de monter à pied. Ça peut durer une semaine comme ça peut durer un mois. Donc ce n'est pas seulement ce bâtiment-là? Ce n'est pas ce bâtiment-là. Il y en a énormément qui tombent en panne. Ici, il n'y a pas d'électricité. Donc là, c'est tout ce qui est dégâts des eaux au niveau des trous. Vous en trouvez pas mal, hein. Il y en a ici, vous allez voir, il y a des gouttes aussi qui descendent. Donc il y a une odeur qui se crée en fait à l'entrée et même dans les escaliers. Bah, on vit avec. On vit avec l'odeur et il n'y a pas le choix en soi. Dal 1977 la Francia ha varato una decina di programmi di rinnovamento urbano. Alcuni sostengono che si spendono troppi soldi per le banlieue, altri rispondono che queste politiche di sviluppo correggono solo marginalmente un'iniqua distribuzione del denaro pubblico. Ne ho parlato con il sindaco comunista di Vénissieux, la città in cui si trovano vari quartieri sensibili, tra cui le Manguettes. Les plans des banlieues, il n'y en a aucun qui a marché. Pourquoi ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Toute la rénovation urbaine, toute la politique de la ville, peut-être que ça serait bien pire que ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Ce n'est pas les plans banlieues, comme vous dites, qui ont échoué. C'est la politique nationale qui échoue. Depuis 40 ans, malgré les gouvernements successifs, la pauvreté s'accentue, le chômage s'accentue. Chaque fois qu'il y a des crises en France, les quartiers populaires, c'est exponentiel chez eux, ça creuse encore plus. Secondo il sindaco, la crisi economica, la crisi sociale e la crisi sanitaria del Covid hanno lasciato segni più profondi nelle banlieue che nel resto del paese. Ma il malessere in questi quartieri non è così recente, ribolle e riemerge periodicamente da 40 anni. Il sindaco mi ha spiegato solo in parte perché i residenti vivono ancora in torri malsane. Con un altro piano di rinnovamento urbano pronto a partire, ha detto che questi edifici da demolire non possono essere sottoposti a un profondo restauro. La rabbia dei residenti cresce. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi. Est-ce que vous voyez ces investissements? Anne, du tout. Investissement dans quoi? Où? Justement, on veut bien savoir où est passé notre argent. Parce que c'est, après tout, c'est notre argent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des enfants qui sont sans activité, mis à part quand ils sont scolarisés. Il n'y a pas beaucoup de choses. Quand ils sont là une journée à s'asseoir sur un banc et qu'on demande à la mairie, aux élus, de proposer des choses pour qu'ils puissent justement sortir du secteur et qu'ils apprennent, en fait, si on leur donne les moyens, les outils, ils peuvent s'en sortir. Nel mio percorso tra i quartieri caldi intorno a Lione ho visto molti ragazzi lavorare nei punti di spaccio. Li chiamano chouf, danno l'allarme quando arriva la polizia e in cambio ricevono una cinquantina di euro al giorno. Il sindaco di Vénissieux mi ha spiegato come l'istruzione e la formazione possano offrire ai giovani altre possibilità. Quand vous êtes très très jeune adulte, quand vous voyez des gens qui par le trafic gagnent de l'argent, bah vous dites pourquoi pas moi. Donc il faut arriver aussi à valoriser les métiers, donner envie à nos jeunes d'un parcours scolaire, de formation qualifiante pour ensuite travailler. Par exemple, on a le plus gros laboratoire d'analyse d'eau de France et d'Europe. Les Vénitiens qui y travaillent, pour une grosse majorité, c'est des gens qui font de l'entretien et de la sécurité. Ce n'est pas les laborantins.
Et je demande depuis des années d'avoir des filières dans notre lycée qui correspondent au nouveau bassin d'emploi. Pour l'instant, on n'y a pas réussi. Je suis désolée. Les programmes, les apprentissages, etc., c'est la responsabilité de l'État, de l'éducation nationale. Ça porte bien son nom, éducation nationale. Ce n'est pas éducation municipale. Parlando con i residenti mi rendo conto che un forte sentimento di ingiustizia pervade le banlieue e va al di là di infrastrutture e investimenti. È uno scontro di culture tra francesi per così dire d'origine e francesi provenienti dalla migrazione, per lo più musulmani. Ne ho discusso con un sociologo, scrittore ed ex ministro per le pari opportunità, un algerino di origine cresciuto in una bidonville vicino a Lione. Pourquoi l'histoire se répète? C'est un pays aujourd'hui qui subit les secousses de son histoire. Il y a des millions de personnes qui sont installées ici depuis un siècle, qui sont venues du monde arabe, musulman, maghreb, et qui sont aujourd'hui considérées comme un problème, alors qu'il y a 50 ans, ils étaient considérés comme une ressource. Oggi molti francesi, indipendentemente dal loro livello di istruzione, sono convinti che gli immigrati musulmani e i loro discendenti non abbiano la volontà di integrarsi e che esista un legame tra criminalità ed etnia. La reazione spontanea è dire il è noir, il è arabe, c'est ça le problème, c'est l'origine ethnique qui explique le comportement social. Mais quand vous leur dites oui, il est arabe, il est noir, mais il est surtout pauvre. Il dit non, moi le social, je ne veux pas entendre parler. Et c'est l'explication principale de leur comportement délinquant. C'est incroyable, c'est pur racisme. Nel 1983 un gruppo di giovani del quartiere delle Menghette organizzò una marcia per l'uguaglianza e contro il razzismo. Fu la risposta non violenta ai primi episodi di disordini su larga scala in una periferia. In 40 anni si sono ripresentate altre 4 grandi ondate di scontri. Esiste un modo per spezzare questo ciclo di rabbia e violenza? Je pense qu'il faudra passer malheureusement par la case extrême droite. C'est-à-dire Marine Le Pen, présidente de la République française, comme Giorgia Meloni, dans 5 ans. Alors, nous allons attendre ce que l'extrême droite va pouvoir apporter comme réponse. C'est triste, parce que c'est une perte de temps. Quando le banlieue francesi attirano l'attenzione, di solito è perché bruciano. Ma solitamente le periferie non bruciano. La maggior parte dei residenti tira avanti, alcuni riescono. J'ai 34 ans et j'ai grandi aux Menghettes, à Vénissieux. Ma mère, c'est une immigrée. Elle avait appris français avant de venir et elle s'est démerdée toute seule. Elle avait un mari alcoolique qui la battait aussi. Et les femmes de ménage. Et avec ça, elle arrivait à tout gérer. Des fois c'est dur, hein, mais elle y est arrivée. Pour moi, la responsabilité, ça vient des parents. Mais les parents de ma génération, du coup, qui ont la trentaine, ils n'ont pas eu eux-mêmes d'éducation. Donc c'est compliqué de leur demander d'inculquer une éducation à leurs enfants alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu. Pour moi, c'est un cercle infernal. Donc il n'y a pas de recette magique, quoi. Simplement, il faut être dans les clous. Qualunque opinione si possa avere sulle banlieue, ho la sensazione che città e periferie percorrano traiettorie parallele, incapaci di trovare un punto di incontro. Ho l'impressione che seguendo lo stesso percorso anche i prossimi 50 anni siano già scritti.